Salut à tous, nous voilà dans le Coran, la sourate al-Bakrara, la vache, sourate numéro 2 selon l'ordre de Othman, et sourate numéro 87 selon l'ordre chronologique de Révélation. Je reviens avec cette petite vidéo pour parler très brièvement de An-Nasir ou Al-Mansour, puisque beaucoup euh, de commentateurs euh, euh, me posent des questions à ce sujet, ou n'y croient pas, etc. Alors ça peut être aussi des, com des commentaires privés que je reçois beaucoup, également sur ma chaîne YouTube. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, à chaque fois je vous fais euh, le point sur la sourate numéro 2 selon l'ordre de Othman et sourate numéro 87 selon l'ordre chronologique de révélation. Alors, pour établir une loi, il faut qu'une loi prévale sur celle d'avant. C'est-à-dire que quand euh, le législateur décide d'une loi, euh, peut-être que cette loi va être abrogée avec le temps et avec l'évolution de la société. C'est exactement ce qui est dit au verset numéro 106 du Coran. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent Et en effet, le législateur, dans ce cas il s'agit de Allah même, se permet donc évidemment puisqu'il fait ce qu'il veut, il se permet d'envoyer des versets correctifs. Alors on va regarder très brièvement, nous abrogeons un verset, il y a un petit 1 à côté. Je me permets de lire les, euh, les, les notes de bas de page puisqu'elles sont fournies avec le livre. Ça ne veut pas dire que j'y crois, ça ne veut pas dire que vous devez y croire. À propos de l'abrogation du, du verset, voire encore, Sourate 16, verset 101. Alors on va y aller tout de suite. Sourate 16, verset 101. Nous sommes dans les abeilles. Je... Vous êtes avec moi là hein Là, Vous êtes clairement avec moi. Qui est-il qu est dit Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent :« Tu n'es qu'un menteur. » Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Autrement dit, c'est confirmé. Allah décide, et c'est le, le fondement de An-Nasir Wal-Mansur. Le fondement de An-Nasir Wal-Mansur, c'est le verset abrogeant, abrogé. Nier An-Nasir Wal-Mansur, c'est nier un commandement de Allah direct. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont de la jurisprudence passent nécessairement par un Nasir ou un Mansour. Et si je vous euh, ramène à chaque fois à la euh, à la classification par ordre chronologique, c'est précisément parce que mon but c'est euh, d'amener à la vérité, d'amener à la vérité législative ou légale. C'est pas euh, de dire ce que je préfère ou ce que je ne préfère pas.